Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Evangile Hit Music Air. Vous savez comment ça se passe? Nous avons des invités, nous avons une émission de musique et aujourd'hui ça sera encore lourd, génial. Mais avant de vous présenter le concept du jour, j'aimerais... Oui, toi qui me regardes, vraiment, je pense qu'on a un problème. C'est que déjà tu n'es pas abonné et tu regardes l'émission. Donc c'est un premier problème, je vais t'inviter à t'abonner. Et le deuxième problème, c'est que tu regardes l'émission seul. Donc j'aimerais que tu puisses inviter quelqu'un à regarder l'émission avec toi ce soir parce que ça va être particulièrement lourd. Ce soir, nous avons non pas un invité, mais deux invités que nous allons vous présenter. Et avant que je puisse tourner mon regard vers eux parce qu'ils sont en train de me regarder, j'aimerais qu'on puisse écouter un morceau de chacun. On se retrouve d'ici quelques minutes. C'est comme le souffle du vent, la paix et la tempête. Il a balayé mes débris, mes éclairs tombant du ciel. Il est ma brume du matin, le parfum qui me lève. Il a changé mon cœur de pierre, m'a donné un cœur de chair. De ta présence, j'abandonne le tout. Mon cœur est lourd, mes larmes courent. Malgré tous les obstacles, je ne cesse d'y croire. Ce n'est pas encore fini. Tu te lèveras. Nous avons deux invités, vous ne les connaissez pas, mais vous allez les découvrir. Je vous assure, ils sont géniaux. Vous allez voir, ils sont mignons comme tout, ils ont été bien apprêtés. Bonsoir à vous. Donc, allez. Nous avons Yoani et nous avons Jonathan Even. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ça va très bien, ça sent. Bah, bienvenue sur le plateau d'Evangile Hit Music. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Et ce soir... Notre opération, ça va être opération découverte. On va essayer un peu de découvrir les artistes que vous êtes, votre univers, ce que vous faites. On va dire honneur aux dames. On va commencer par Yoani. Alors Yoani, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi que les internautes ne savent pas? Bah déjà, je m'appelle Yoani, j'ai 20 ans. Il faut savoir que mon vrai prénom, c'est Joanne. Mais dans ma langue, ça se dit Yoani. J'ai pas l'accent, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai 20 ans. Ça fait à peu près depuis que j'ai l'âge de 7 ans que je fais de la musique. D'accord. Et voilà. Et voilà. Yoani, dans ta langue, c'est quel nom de dire? Alors, je suis congolaise brazzavilloise. Non. Et mon ethnie, c'est l'Ari. Attends. Déjà, il faut que je me remette de cette. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. C'est-à-dire qu'on est tous les deux congolais, mais je sais pas si vous voyez la différence déjà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du teint, l'opération? Et je suis guadeloupéenne à côté aussi. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, voilà. Et c'est ma mère, en fait, qui m'appelle Yoani. D'accord, ok, génial. On va revenir sur toi d'ici quelques minutes. Et du coup, Jonathan, pourquoi Jonathan Even? Jonathan, c'est... Alors, déjà, je m'appelle juste Jonathan pour commencer. Jonathan Even, c'est un surnom. Even, je pensais qu'Even, c'était le nom de famille. non, du tout. C'est un surnom, c'est une longue histoire. Hein, donc, okay. je vais pas rentrer dedans. Okay. 24 ans, je chante aussi depuis tout petit, je pense. Depuis tout petit, mais dans le service, depuis que j'ai 12 ans. Et voilà. Okay. Donc là, on peut déjà dire qu'on a... l'avenir, le futur du gospel, parce que 20 ans, 24 ans, c'est très jeune. Et donc, je pense que dans les années à venir, vous ferez partie des artistes qui vont vraiment monter, exploser. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. J'espère. C'est ce que nous vous souhaitons à Evangile TV et Evangile Hit Music.
Je vais revenir un peu sur toi parce que dans sa présentation, elle a déjà donné des éléments un peu plus concrets sur, sur ce qu'est, comment elle a commencé la musique. Comment ça s'est passé pour toi un peu? J'ai vu que tu as collaboré avec Celles et Lumières, si je ne me trompe pas. Comment, ça, comment la musique a commencé pour toi? Alors, j'ai commencé du coup dans le service, comme j'ai dit, dans la chorale junior à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans en tant que chantre, etc. Quelques dimanches par-ci pour les fêtes de l'église, etc. etc. Mm-hmm. Et vers 2013-2014, c'est les Lumières, j'ai eu à intégrer le groupe. Du coup, on a bossé sur le premier EP en attendant Mélodie et Cantique à Dieu. D'accord. Et ensuite, voilà, j'ai bossé sur quelques autres sons aussi récemment en 2019 avec eux. D'accord. Du coup, j'ai quitté le groupe en 2017, mais voilà, on est resté en bon contact. On m'a dit que t'as travaillé aussi, t'as fait les chœurs de Rabbi le Prince. Également. Avant d'être en solo, t'as travaillé aussi avec Dévotion. Également. Comment ça s'est passé tout ça, les enchaînements, les collaborations avec les uns les autres, comment ça s'est passé? Alors tout simplement, les personnes, c'est des personnes qui sont autour de moi, mm-hmm. qui sont autour de moi tous les jours, donc du coup ça a été plus simple de travailler, c'est comme une famille, donc ça a été plus simple de travailler ensemble. Yes. Dévotion, c'est des gens que je vois régulièrement, d'ailleurs je les salue. Je les salue au passage, voilà. Je peux regarder la caméra pour les saluer. Et voilà, du coup, voilà, avec Dévotion. Et d'ailleurs même, j'espère au passage qu'on pourra les accueillir ici. On a un problème de siège, c'est-à-dire que si on fait l'émission avec eux, il faut beaucoup plus de sièges. Effectivement. Pour les accueillir, mais on espère vous accueillir sur le plateau d'Evangile Hit Music. Yohani, alors, donc, tu nous as dit que tu as commencé la musique super tôt. Quelles sont tes influences? Qui t'a justement poussé à commencer la musique? Comment ça s'est passé? Alors, c'est ma mère. C'est ma mère Belinda Kayouloud, qui elle aussi est écrivaine, interprète, elle compose ses musiques. Et du coup, voilà, moi je l'écoutais tout le temps chanter derrière sa porte en cachette. Et c'est vrai qu'un concert, je voulais faire la même chose. Moi aussi, je voulais écrire. Je voulais un peu arriver à son niveau, parce qu'elle m'inspirait beaucoup. Et voilà, elle a chanté à la chorale, du coup moi aussi je l'ai suivie à la chorale. Donc tout ce qu'elle faisait, je voulais le faire. Elle a appris la guitare, moi aussi je voulais le faire. Elle a fait une chaîne YouTube et à l'époque aussi j'ai créé une petite chaîne YouTube. Et tu fais de la guitare, si j'ai bien compris. J'ai de la guitare, un peu de guitare. D'accord. Mais ce soir, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de t'entendre à la guitare. Pourquoi tu nous prives d'un tel plaisir? Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le piano. Ouais. Et c'est un instrument sur lequel je peux poser mes doigts et savoir que là, ok, ça fait une bonne note, mais c'est vrai que je préfère le piano. D'ailleurs, mon frère joue au piano et souvent c'est lui qui joue avec moi. Okay. Est-ce que l'un de vous a fait, parce que là, je ne sais pas, on va découvrir, une école de musique ou pas du tout? Non. Pas du tout. Et comment se passe l'apprentissage justement par rapport au chant, parce qu'on est sur Yohani? Oui. Est-ce que tu détectes rapidement que tu as un don, tu as un talent, ou c'est ta mère qui te le dit? Comment ça se passe? Est-ce que quand tu commences à chanter, il y a des fausses notes qui se glissent, ou c'est tout de suite fluide, c'est-à-dire tout de suite comment ça se passe? C'est vrai que pour moi, la musique, avant d'avoir été sur les notes, etc., c'était vraiment un besoin de m'exprimer. Enfin, pour moi, c'était vraiment comme parler, et ça va être que je chantais bien, mais c'est vrai que... Bien, c'est toi qui te rends compte que tu chantes bien, ou mes professeurs, parce que j'ai participé aussi au groupe, au club musique à l'école. Et c'est vrai qu'on me disait, ah, mais Joanne, tu chantes bien et tout, ça te dirait pas de faire quelque chose avec? Et puis par rapport aux instruments, j'aimais beaucoup YouTube. Donc à l'époque, je passais des heures sur YouTube à regarder des tutos, comment apprendre à jouer de la guitare, etc. D'accord. Donc voilà. C'est génial. Et toi, comment ça se passe? Alors moi, comment ça se passe? Je pense que depuis que je suis tout petit, je chante. Je pense que j'ai assez cassé les oreilles de ma famille. D'abord, commencé par... Parce qu'elle, elle a dit, je chantais super bien. Toi, t'as cassé les oreilles. Moi, je l'admets, je cassais les oreilles au début. Okay. Et puis après, tout simplement, j'apprends en écoutant. Yes. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je recherche beaucoup chez partout, chez tous les artistes que je peux entendre. Yes. Et dès qu'il y a quelque chose qui me tape à l'oreille, j'essaie de le reproduire jusqu'à la réussite. C'est génial. Comme ça. Génial. Donc, du coup, comment... Je vais vous reposer la même question, et là, je vais commencer par toi. Yeah. Comment vous décrivez votre univers? Parce qu'il faut quand même le préciser, c'est pas facile pour un artiste, déjà, de découvrir son univers musical pour se dire, non, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la worship, je veux faire du R&B, de la soul. Comment ça se passe, la découverte de l'univers, pour se dire, moi, c'est ça que je veux faire? Et pourquoi pour le Seigneur? Pourquoi je ne le fais pas pour moi-même? Pour...
Tout simplement, alors moi je suis vraiment dans tout ce qui est worship, tout ce qui est worship, la pop, un peu pop rock, etc., tout ça. Et tout simplement, pourquoi pas pour moi-même, mais pour le Seigneur, tout simplement parce que c'est un don qu'il m'a donné et je me dois de lui rendre par ce qu'il m'a donné, donc par ma voix, tout simplement, et c'est mon service, c'est mon talent. Quoi. Et ça se passe, bon, je vais te poser la question juste après, est-ce que tu peux nous expliquer comment... C'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à définir mon style parce que j'essayais de toucher un peu à tout. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que les gens me disent, c'est vrai que ça tourne plus autour de la soul, voire du blues, au niveau des paroles et de ce que je dis. D'accord. Et par rapport à Dieu, en tout cas, moi, mon cœur, quand j'écris, enfin, je dis souvent aussi, ma musique est une douce thérapie. J'aime bien associer mes paroles à... enfin, à juste un acte de, ok, tu vas écouter cette musique et grâce à la musique, tu vas guérir, tu vois. Et il y a un truc, moi, dans la Bible, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu bizarre, mais Les Lamentations, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que je me dis, on a dédié un livre à la souffrance et des fois, on se dit, oh, la souffrance, c'est négatif. Mais en vérité, à la fin de la souffrance que tu peux ressentir, tu glorifies Dieu, tu vois. C'est vrai que moi, dans ma musique, bah, il y a beaucoup de trucs où je parle de choses profondes et de choses qui font mal. Mais c'est pas pour caresser la souffrance, mais c'est pour dire, ok, on a le droit de ressentir ça et Dieu me guérit, en fait. Donc, je pense que je tourne un peu autour de ça. Ok, en fait, ta musique est beaucoup thérapeutique parce que déjà, en fait, je pense que... Est-ce que tu parles que de ta souffrance ou tu t'identifies aussi à ceux qui t'écoutent? Les deux. Je parle de moi, mais c'est vrai qu'en... Et souvent, c'est ce que je dis, j'aime pas forcément parler de moi, mais je m'efforce parce que je me dis que ce que j'ai vécu, peut-être que ça va parler à quelqu'un et peut-être que la personne va éviter de reproduire ce que moi j'ai fait, quoi. D'accord. Et souvent, je dis moi, mais c'est de l'autre dont je parle. Voilà. Et toi, ça se passe comment l'écriture? Alors l'écriture, alors moi ça c'est vraiment des temps dans ma chambre tout simplement. Écris que dans la chambre, c'est-à-dire que si t'es au salon, tu peux pas. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, ça peut arriver. Des fois, ça peut arriver à l'église ou bien dans le métro. D'accord. J'ai quelque chose comme ça. Okay. Je prends mon téléphone. Genre si j'ai les paroles, des fois j'ai les paroles et pas la mélodie. Des fois j'ai la mélodie et pas les paroles. Donc du coup, ça dépend des moments. Et puis j'écris. Et ensuite. Des fois, on n'est pas toujours satisfait dès le premier, dès le premier jet, on regarde. Donc du coup, on se dit, bon, on va faire écouter à quelqu'un pour voir, etc. Et j'aime bien demander à des plus grands pour savoir si c'est cohérent ce que j'ai écrit, si ça va... Si c'est profond. Voilà. En tout cas, si ça parle, si ça va directement à un but, s'il y a un sujet. C'est Dieu qui convainc si je dois sortir ça ou pas. Plus j'apprends à vous découvrir, comme les téléspectateurs qui nous regardent, je me rends compte qu'en fait, au-delà de la jeunesse, il y a quand même de la profondeur. Parce que c'est vrai que très souvent, quand on commence la musique jeune, on peut se dire, voilà, on est peut-être attiré par d'autres choses. Et justement, Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Comment ça se passe justement dans votre art, le fait de se décaler quand même de la jeunesse, parce que la jeunesse est attirée par certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être attiré par certaines choses, mais comment ça se fait justement l'écart entre ma jeunesse et la profondeur dans la présence de Dieu, ce que je dois retransmettre? Je ne sais pas si vous arrivez à voir exactement là où j'essaie de... Comme tu veux. Enfin, moi, de ce que j'entends dans ce que tu dis, par rapport à mon expérience, j'ai pu comprendre les erreurs que j'ai faites, ne pas être hors du monde, mais dans ce monde, tout en étant sûr que, ok, je suis en Christ, Christ vit en moi, tu vois ce que je veux dire. Et souvent, avant, ce que je pensais, c'était, fuis les passions de la jeunesse en mode, sors du monde, et puis regarde le monde comme si c'était, ah, tu vois, ceux-là, ils font ça, ceux-là, ils font ça, tu vois. Et quand moi-même, Et quand moi-même, j'ai commencé à tomber, je me suis dit, ok, Yoni, reprends-toi, tu vois. Et j'étais dans ce monde-là, avec les gens aussi qui souffraient autour de moi, et moi qui souffrais. Et tout en me reconnaissant que, ok, Christ vit en moi, tu vois. Donc, cette situation-là, déjà, guéris toi-même. Et ensuite, quand tu seras guéri, va guérir ces gens qui sont autour de toi, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, t'es dans ce monde, tu en fais pas partie parce que c'est pas ta patrie. Ta patrie, elle est en haut. Mais calcule, entre guillemets, ceux qui sont autour de toi, tu vois. Parce que si Dieu t'a mis là, c'est pas pour être comme eux, mais c'est pour que toi, tu les transformes aussi par ton témoignage et par ta vision. Et c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Okay, très bien. C'est à peu près pareil. Ça va être à peu près pareil. Je pense que on est tous à un endroit pour impacter l'endroit d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, je pense que voilà, j'ai pris conscience de ce que j'avais
Et à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on a, bah, je pense que c'est, ça se fait petit à petit. Ça se fait pas, ça se fait pour certaines personnes peut-être directement, mais pour d'autres, ça se fait petit à petit. Moi, ça s'est fait petit à petit. J'ai pris conscience de ce que j'avais. Et puis après, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à voir les choses autrement. Et j'ai commencé à moi-même, enfin, avec l'aide du Saint-Esprit, à impacter comme je peux. Des fois même, je me rends pas compte, mais il y a quelque chose qui peut faire qu'une personne va se dire, ah non, il y a, y a Dieu. Il y a Dieu dans ce qu'il dit. C'est formidable. Malheureusement, le problème auquel je suis confronté à chaque fois dans cette émission, c'est que j'ai de plus en plus de questions et le temps joue contre moi. La dernière question que je vais vous poser avant qu'on puisse passer à la deuxième partie, c'est... quelles sont vos actualités? On a vu Yoani récemment, mais bon, au moment où on tourne l'émission, et c'est quand même récent, tu as fait une scène, il y avait Red Flow et KB. Comment s'est passé justement le contact pour cette scène? Quelles sont tes actualités musicales? Alors, par rapport à la scène, déjà, pour moi, c'était hyper inédit parce que d'habitude, je chantais voilà, au lycée dans les spectacles et j'avais jamais chanté pour un public chrétien où on va m'écouter, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était stressant parce que je suis quelqu'un de très calme de base. Mais c'était intéressant parce que justement, on a mis la calme au début et tous les agitateurs à la fin. Et c'est vrai que ça a pu impulser l'idée de OK, on commence par, tu sais, même le fait que le Saint-Esprit soit doux, vienne à toi avec douceur, etc. Et par rapport à mes projets, bah, déjà, c'est un projet qui est hors de la musique mais d'écriture parce que j'écris beaucoup et donc je suis sur le recueil de mon poème d'un recueil de poèmes qui est censé sortir bientôt. Je donne pas de date parce que je les respecte jamais mais en dehors de la musique il y a des poèmes aussi. Voilà, c'est ça, l'écriture c'est très très important pour moi et c'est aussi des projets qui sont en secret pour l'instant. D'accord, donc on peut te retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, c'est ça, si Spotify, Apple Music, SoundCloud, Deezer et le nom d'artiste c'est toujours Yoani, c'est ça. Ok, génial. Et on va terminer par toi, Jonathan. Ok, très bien. Bah, alors moi, j'ai mon premier single qui vient du coup de sortir le 29, qui est sorti le 29 mai. C'est quoi le titre? Je te fais confiance, qui est sorti le 29 mai. Du coup, voilà, à consommer, hein, à écouter. Sans voilà, modération. Sans modération. Et puis, bah, j'ai d'autres choses qui arrivent, mais on va pas tout dévoiler maintenant. Voilà. Est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur toutes les plateformes de téléchargement? Également, toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Sur le nom de Jonathan Heaven. D'accord. Surtout, ne loupez pas le Heaven parce que sinon vous allez tomber sur un Jonathan qui est au Brésil ou au Japon, je ne sais pas, Jonathan Heaven. C'est ça. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je sais. Oui, je t'entends déjà dire oui, la rêve, je sais. On va passer. Mes deux acolytes vont me rejoindre pour cette deuxième partie et on va essayer de piéger nos invités ce soir. On leur a concocté quelque chose de terrible. C'est tout de suite. Montre-moi la voix qui me ramène à toi. Yo, yo, j'espère que vous êtes prêts. Ok, aujourd'hui c'est différent d'habitude. Vous voyez, je suis au milieu, je suis un peu confiné, mais c'est pas grave. Ok, donc. Tu avais besoin de plus d'espace. Oh. Ok, ça commence. Arrête. Moins de points ici. Ah, c'est bon, je rigole, je suis amour aujourd'hui. Ok, comme vous pouvez voir, il y a deux équipes. Les bleus à ma gauche, du coup constituées de Yoani et de Tijon King Humilité. Ok. Amen. L'autre équipe à ma droite, constituée de Ben Melodius. C'est quoi déjà le truc que tu dis en anglais tout le temps? Wagwan. Ok. Yeah. Et de Jonathan qui vient du ciel, mais c'est en anglais. Donc Jonathan Heaven. Ça frère, Babanks. Ok, alors, on va commencer par un petit baccalauréat. D'accord? Donc tournez vos pancartes. Ok. Alors, est-ce que Yoani, tu peux me lire ce qu'il y a? Alors, on a féminin, masculin. Non, il n'y a pas de féminin. Si, il y a femme. Ok, non. Je ne veux pas avec elle. Ok, féminin, masculin. Ok. Genre musicaux, titre, album, point. Ok. C'est bon ou pas? Carré. Tout le monde, c'est bon? Ouais. Donc, le jeu, il est simple. Je vais faire l'alphabet. Vous allez me dire stop. Honneur aux femmes. Calme. Honneur aux femmes, tu vas me dire stop. Et vous devrez trouver un nom d'artiste féminin, masculin, etc., qui commence par la lettre que j'aurais choisie. Bon, je vais pas dire choisi, parce qu'après, on va dire que j'ai triché. Ok, c'est bon, j'ai chrétien, commencé l'alphabet. Chrétien. Stop. J'ai. Ouais, chrétien. Oui, bien évidemment. Nous sommes dans une émission chrétienne. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de ratures auprès de Ben. C'est pas vrai, comment ça glisse. Comment ça glisse? Ok. Le King, c'est comment? Ça se passe?
On vient de commencer. Tu suis ou pas? Ça va, ça se passe bien? Jonathan est dans le calme. C'est un peu comme le frangin Olivier Giroud, c'est dans le calme et la confiance. Toi, tu déconcentres, frère. Comment ça, je déconcentre? Ok, alors, pendant qu'ils sont en train d'écrire, ok, tout à l'heure, on a parlé de Jonathan Heaven que vous pouvez trouver sur les plateformes de téléchargement. Donc, on a dit de ne pas oublier le Heaven, sinon vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Il y a plein de Jonathan au monde. Et Yoani, c'est exactement la même chose aussi. Regardez bien la photo, hein. Regardez bien la photo parce qu'il y en a d'autres aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc, personne n'a fini, là. Il manque juste l'album. Moi, j'ai déjà fini. Ah, il te manque l'album. Et l'artiste masculin. Mais, ça sue ici, ça sue. Mais c'est comment, Dijon King? Attends. Comment ça, attends? Ça va? Tu t'en sors? Ouais, ça va. C'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est très dur. Mais ça va se passer. Arrêtez de parler. Bon, c'est vrai, vous êtes en équipe. C'est bon, c'est bon, tu peux parler. Ok. J'ai pas. Ils ont pas. Ça stresse. Attends. Là, ça stresse, là. Comment? Bon. Déjà, dans les commentaires, là, dites-moi à votre avis qui va gagner. Moi. Moi, je mise, j'ai une équipe dans la tête. Oui, mais dites-moi, qui va gagner pour vous? Arrêtez de parler. Oh là là, c'est mon gars. Oh, oh, c'est pour ça qu'on a gagné aujourd'hui. Ok, donc apparemment, les Verts sont confiants. Apparemment, ils sont confiants. Mais on va voir ce que ça va donner. Juste l'album. L'album? C'est l'album aujourd'hui, là. Tu veux que je t'en donne un? Vas-y, donne. Ouais, hey. Attends, d'abord, comment ça? Hey, hey. Dites-moi dans les commentaires, là, si je donne ou pas. Je donne. Je donne pas. Je fais quoi? Je donne pas. Tu veux? Ils ont même. Ah, bah oui! Je croyais vraiment que j'allais te donner. T'inquiète, je vais pas donner. Moins 2 points ici. Là, essaye de me soudoyer. Oui, là. Toi! Oui, c'est infusé. Okay. Tu vois ce que tu fais, Jonathan? Top. Mais il n'y a même pas d'album! Mais elle est top, j'ai fini. C'est moi. Ok, calmons-nous. Comme c'est eux qui ont buzzé, allez. C'est eux qui ont buzzé. Ok. C'est vous, artiste féminin. Ok, féminin. Grâce ma foi. Waouh. C'est juste là-bas. Waouh. Je suis sûr qu'il a même pas écrit ça. Est-ce que tu peux chanter un chant de Grâce ma foi? Mon trésor. Ah, non, s'il vous plaît. Je suis même pas échauffé, là. S'il vous plaît. Je suis même pas échauffé. Non, bien, plus un point pour grâce ça. Pour la performance. C'est 2 points, non? Non, mais plus un. Oui, merci. Pour la performance. Ah, merci. J'aime bien. Ok. Ça a l'air tout ou bien je continue, je déballe. Non, continue. Je déballe. Artiste masculin à l'aide de mon coéquipier. On a trouvé Guénolé. Ah, bien. Dédicace à toi, mon frère. Bien vu. Okay, on est ensemble. Genre musical, G-Funk, bien évidemment. Bien vu. Titre, Glory to the Lamb, bien sûr. Voilà. C'était pas okay. En français de base? Non, après, il y a un autre. Non, ça, après, on peut. Les titres, on donne. Non, pour de vrai, les titres, on donne comme on veut. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. Les titres, on donne comme on veut. Et après, on a mis le même titre en français. J'ai pas trouvé. Attends, Glory to the Lamb de qui exactement? Non, parce que des fois, ils aiment bien faire ça. Titre, Jésus est Seigneur. Je t'assure, je sais. Chasseur Jésus entre William McDowell ou un autre là, j'ai oublié comment il s'appelle. Hey, Jesus. Non, je te jure, j'ai oublié. Mais qui? J'ai oublié, frère, je sais qu'en tout cas. Ça, t'as oublié. Mais ça existe. Mais c'est bon, aujourd'hui. Attends, non, aujourd'hui, je vais corser. Ça existe, ok, mais qui? Non, ça, j'ai oublié. Ok, mais on peut compenser avec un autre truc, avec un autre titre. Vas-y. Grand Dieu, Jonathan, prophète Jonathan Gambela. Merci. Et t'as ça la dernière fois, hein? Ok. Heureusement qu'il est là, mon gars. Du coup, c'est tout ce que t'as mis. Wow. Donc chacun compte ses points. C'est bien, c'est bien. Ils vont ensemble. Ouais, je crois non, que ça... c'est ensemble. T'inquiète, j'ai compté leurs points. Là, ils sont actuellement à 15, 14 points. Non, je rigole. Je rigole. 2, 4, 5. Ouais. Non. Si, vous êtes à 5. Si, si, vous êtes à 5. À 5. Mais non. Bah si. Pourquoi? Si, vous avez 2 points où? Mais parce que c'est 5. Non, moins de 2 points. Pour t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi t'es. Pourquoi attends, t'es tu comptes comment les points là? 2-2-2. Donc 2, 4. Mais t'inquiète, je sais pourquoi j'ai mis 5. Parce qu'il y a moins de 2. On va les écouter. D'accord. Artiste féminin. On a mis. Moi j'ai mis Gloire Grâce. On a mis la même chose. Gloire Grâce. Ah, tu pouvais pas mettre ta femme. Elle est grave assise là-bas là. Bon, mais, attends. Sinon, on allait dire que c'est trop facile. Oui, c'est vrai. Non. Attends. Chante-moi un chant de Gloire Grâce. Pour un point en plus. Un point en plus, attends.
qui pourrait se comprendre. Gloire grâce. Gloire grâce. Gloire grâce. Mais tu as dit elle. Non, il a dit gloire grâce. Attends, masculin. Gabriel Gostroussi. Oh, bien. Ça, c'est pour ça que j'ai pas mis. Ok. Gospel. Mm-hmm. Genre musique sans gospel, hein. Non, je sais. Et titre Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. De qui? Gloire à l'agneau. Qui? C'est dans Les Jamais de Ben. Tu l'as chanté, c'est bien. Tu veux un point pour la performance? Oui, bien sûr, toi aussi. J'ai chauffé la voix même et tout. C'est bien. Il y a l'album ou pas? Je mets ou pas? Non, mais vas-y, je suis fermé. L'album Gloire à l'agneau. Allez, arrête. Attends. Il avait pas écrit. C'est bon. De qui? C'est un hymne en fait. Tu vois dans Les Gemmes l'Éternel, okay. Le gros livre là. Oui, tu vois. On est d'accord que ça apparaît, mais c'est pas un titre d'album. Non, mais c'est un titre de page. Et tu vois, il y a. Et la page était considérée comme un album. La page est signée. Voilà. Ça passe pas. Bon, ok. Bon. Alors, Yoani, t'as mis quoi? Comment? T'as mis quoi de différent que Monsieur le King? J'ai mis groove rock, son genre musical. Groove rock? Bah, je sais pas si ça existe, non, ça existe. Deux, quatre, le groove, six, c'est une façon de jouer. On a 8. Bon. 9. Non, vous êtes à 9, je t'ai donné un point pour mais la partie. Ah, non, mais j'ai chanté, calme. Frère! Calme. Toi, t'avais la voix rouillée. Donc, 2, 4, 6. On va baisser pas l'adversaire, sinon on va perdre des points. 9. Ouais. Bizarre. Et hein. Hey, Glow, je te jure, c'est pas normal. Eh, hey, mais frère, regarde, frère. Mais on a les mêmes points. 4, quel point? 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Comment ça se fait, vous êtes à 11? Mais on a même pas. Ah, c'est vrai, ils ont tout donné. Ah non, pas l'album. 2, 4, 6. Non, ils ont pas donné d'album. Non, mais ils ont pas donné d'album. Non, mais 9. Non, mais quel 9? Vous êtes à 8? Je vais pas donner un point parce que j'ai mal chanté. 9. Je vais donner un point. Donc on est tous les deux à 9. Ouais. Donc 9. Ok, 9. Ok, dernière partie. Ok. Alors là, on essaie d'aller plus vite hein, parce que. Ça va, Jonathan. Moi, j'aurais ça fini depuis. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va prendre, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, l'équipe, vous mettez un artiste, un genre musical et ainsi de suite. C'est bon ou pas? Vous faites vite. Hein. Je vous donne deux minutes pour le faire. En fait, chacun ses points. Ça non, c'est genre vous travaillez en équipe, mm-hmm. Vraiment. Okay. C'est-à-dire vous écrivez sur la même feuille. Okay. Bon, ok. Donc, j'ai déjà commencé l'alphabet. Stop. Z. Arrête chacun. Comment ça, arrête chacun? C'est bon, je reprends. Ok. J'ai commencé. Stop. L. Comment ça? Oh, c'est facile, L. Bon, ils sont en train de réfléchir. Chrétien. Donc, bientôt il y aura la deuxième ref, ok? Oui. Si vous mettez beaucoup de flammes et d'équerres dans les commentaires, je rajoute des points, ok? Non, j'ai mieux. Si vous mettez beaucoup de flammes et d'équerres dans la tectonique ici, oh, yeah, et j'appelle Melodius pour venir danser. Jamais. Le Gobi. Comment ça? Bon, on va faire un truc. 5 points pour le logo B. On va voir. 5 points ou pas? Tu veux pas? Ok. Monsieur le King, là tout de suite, là. Oh. 5 points, tu danses le Smurf. Tu danses le Smurf, je te donne 5 points gratuitement. Il m'a fait comme ça. Tu veux que je gagne? Oui. Il faut qu'il trouve une musique. Ok, est-ce qu'on peut me trouver une musique là pour que le King puisse danser le Smurf, s'il vous plaît? Ok, ça va être drôle. Oh, c'est bon, j'ai. Stop! Ouais, j'ai mis le. Stop. On dirait que c'est fini. Si, j'ai fini là. On dirait qu'il n'y a plus les 5 points. J'ai fini. Pause. Non, non, c'est fini. C'est fini, lâchez la stylo. Vous avez une performance. Ok. Tu vois, tu nous as déconcentré. Non, t'inquiète. Dans tous les cas, je vais danser pour 5 points. Mettez la caméra sur moi, s'il vous plaît. Regardez ma tête et mes mains. Avant qu'on commence à comptabiliser. Performance. Est-ce que vous avez trouvé la musique ou pas? Si vous avez trouvé la musique, balancez-la, s'il vous plaît. Quelle musique? T'inquiète. Mais assez. Il faut qu'on. Ok. Mais regarde, il triche. Ça, c'est méchant, ça. On avait dit l'humilité. Bon, on fait plus les 5 points. Merci. Mais non. Non, c'est bon, on va les faire. Bon, ok, on comptabilise.
Alors. Artiste féminin. Ok. La rue Howard. D'accord. Mmh. T'es qui ça? Okay. Comportement. Ok, 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 c'est bon. Comportement. Je suis. Je m'en tiens. Ok. Mais oui. Ensuite. Masculin. Ok. Le psalmiste. Ouh. Et oui, c'est très technique. Wow. Et oui. Ah, genre attends, musical. Là, je suis en train de compter tes points vers l'équipe des Bleus, là. Je les laisse là-bas ou... Non. Ok, d'accord. Genre musical, Latin okay. Jazz. J'ai bien la même chose. Bon, je parle un point. Bon, un point, ok. Titre, Les Foules. Bien. On est champion de l'église. Album Living Room. Attends, attends, c'est l'album de... Barman. C'est pas ça l'album en vrai, je l'ai checké juste pour le souci. Okay. C'est Make Room. C'est pas vrai, t'as dit Living Room la dernière fois. Je t'ai trompé. Oh, t'es un tricheur. Pour l'effort. Bon, pas d'effort, c'est okay. Pas grave. Allez, ok, donc, 2, 4, 6, 7, 8, t'inquiète. 7. Pourquoi 7 en plus ou pas? Pourquoi 7? Ok, 5 points pour Melogobi si tu danses le Logobi là. Je sans instru. 5 points? Non, je mérite 5 points gagner. Par amour. Il veut pas gagner. Donc, je mérite 5 points par amour. Ok, on passe à l'équipe des Bleus. Alors, déjà pour l'artiste féminin, on a mis Léa Vincent. Après, pour l'artiste masculin, on a mis Luc Dumont. Wow. Le genre musical, on a mis Latino Jazz comme Monsieur. D'accord. Le titre, on a mis L'Éternel est mon berger. Par contre, on n'a pas l'album. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je pense. Yahweh. Non, mais dans les psaumes. D'accord. Dans les psaumes, oui. Il y a écrit oui. Chant de David. D'accord. Donc c'est un titre de David. C'est un titre. Non, mais okay, comment tu joues à ce jeu-là, toi là, comment tu joues à ce jeu-là? Mais non, mais l'artiste, on va l'accepter. Attends. C'est quoi ça, frère? Elle a quand même pris la peine. T'as vu, elle a chanté sans le chant. Voilà, elle a pris la peine non seulement de chanter, mais de faire intervenir le frangin David. Parce que toi, t'aimes bien David. T'as vu ou pas? T'as vu. Ok. D'accord. Donc, 2 points pour ça. Ensuite, l'album. Oh! L'album. T'as pas mis l'album? Non. Ok. Donc 2, 4, 7 encore. Oui, là, vous êtes à égalité. Perfection. Bravo. Donc maintenant, pour départager, okay. Je vais poser une question. Okay. Et la première équipe qui trouve la réponse, 5 points. Okay. Ok. Donc, la question est... Quelle est la différence entre le style musical baroque et... Il n'a pas terminé la question. Il n'a pas terminé. Et le style classique. Moins 2 points déjà. Classique. Voilà. Ok. Non, ça a c'est toi. Tu as voulu. Voilà. Arrête. C'est quoi? Arrête. Non, mais je sais. Alors, déjà, il faut savoir que le classique et le baroque, ça a été fait à des périodes différentes. Le classique, c'est un type de musique. Oh là là, j'ai plein la rage. Non, mais c'est le classique, c'est épuré, d'accord. On vise à adorer. Même dans l'art, le classique, okay. Tu vois, c'est le corps humain, tout ce qui est très, très épuré. Avec d'accord. Des longs vêtements, etc. Tu vois. C'est bon, tu m'as convaincu. Deuxième question. Pour départager et vous bumpez après. Deuxième question. Tu laisses aller jusqu'au bout de la question. Ok, vas-y. Deuxième question. Jusqu'au bout de la question. Ok. Alors, pouvez-vous me citer? Ah non, c'est trop facile. Ouais, s'il te plaît, fais un effort. C'est trop facile. Mais comment elle sait? Attendez. Elle est spirituelle. Pouvez-vous me donner un titre du groupe Mekadishkem? Oh, mais purée de patate. Il a besoin. Et compte, frère, compte. Jésus, il a déjà répondu. Jésus. Mais Jésus. J-E-S-U-S. Mais c'est pas Mekadishkem, c'est Ezra. Si. Non, c'est Mekadishkem. C'est Ezra seul qui chante. Non. Regardez votre acolyte. Regardez votre acolyte. Vas-y, c'est bon. Excusez-le.
5 points. Est-ce qu'on voulait vraiment les départager ou pas? Oui, s'il te plaît. On est dernier, monsieur. Une dernière et pas trop, voilà. On était humble en plus. Ok. Pouvez-vous. Non, mais il faut pas poser. Il faut genre. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, pouvez-vous me dire combien de titres apparaissent dans l'album Apostola de G-Boy? 17. 17. Ouais, je crois qu'il a raison. Est-ce qu'on peut vérifier? Soit 17, soit 18. Soit 17, soit 18. Arrête, soit 18. On s'arrête là. C'est bon. Égalité. Ils veulent pas laisser. Il n'y a pas égalité. On a gagné. Frère. On a gagné, gros. Franchement, bah, c'est vrai, ils ont gagné. T'as mis 2-5, et puis après, tu nous as donné 5 points. T'as pas buzzé. C'est-à-dire, il s'est... Ok. On va la faire simple. Ok. Moi, j'ai des tricheurs ici, mais bon. Je vais chanter un truc. Non, je vais donner... Ah non, quoi que. Pouvez-vous... Tu chantes et on doit dire la gamme dans laquelle tu es. Allez. C'est ça, ouais. Oui, c'est celui qui est le plus proche. William vient trouver la gamme. Celui qui est le plus proche. C'est facile. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. OK. Je vais donner un mot et vous allez devoir chanter un chant à partir de ce mot. Un chant connu ou un chant... Je bosse, tu chantes. Peu importe. Donc on peut retrouver le chant. C'est bon ou pas? Ok. Un mot compliqué. Sanctification. Elle a besoin avant. Sanctifié par le sang de l'agneau. Non, frère, même juste la voix. Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est un vrai chant. Juste la voix, frère. Juste la voix. J'avoue pas mal. Juste la voix, frère. C'est bon, elle a gagné. Allez. On va passer à la deuxième rêve. Et je vais inviter notre frangin William à venir, s'il te plaît, sur le plateau avec nous pour nous aider pour la deuxième rêve. Ça flingue. Bonsoir. Bonsoir. C'est encore amer pour moi, mais le Seigneur est en train de faire un travail dans mon cœur de restauration. Après cette défaite, entre guillemets, que j'ai subie avec mon collègue Jonathan ici. Et là tu vas, je vais te contaminer quand même. C'est toi qui as. Ok. La prochaine fois, toujours dans l'humilité. Ça veut dire que c'est grâce à lui. Non, mais t'inquiète pas, c'est les vrais humbles, ils parlent pas beaucoup. Wow. C'est pour ça que si t'avais pas besoin de le dire. Bon, comme vous avez vu, la disposition a changé. On va partir sur un freestyle aujourd'hui, j'aime bien. Mais d'habitude, il y a toujours des rappeurs, tout ça. Non, on a une chanteuse, un chanteur. On a des chanteurs. Un chanteur aussi. Un rap chanteur. Un rap chanteur. Voilà. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus mélodieux, un truc un peu plus, vous voyez, plus mignon, moins agressif. Est-ce que le pianiste peut me jouer un petit truc, s'il vous plaît? Stop. Je tiens juste à pointer du doigt ce monsieur qui joue au piano. Malheureusement, on ne peut pas le voir, mais c'est William Tyron qui joue au piano pour nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? On verra pendant la presta de Jonathan aussi, mais il nous donne le plaisir de pouvoir jouer aujourd'hui. Tu le follow sur Instagram. Big up à toi, mon frérot. Je mettrai ton Instagram. D'ailleurs, au passage, ça me permet d'introduire quelque chose. Vas-y. Pour tout artiste qui nous regarde et qui voudrait participer à cette émission Evangelite Musique, vous avez actuellement le lien. L'adresse mail de notre émission à laquelle vous pouvez nous envoyer donc le souhait de passer à cette émission. Tous les artistes sont les bienvenus, chanteurs, rappeurs, slammeurs, vous êtes les bienvenus à cette émission. Même les beatmakers. Aussi. Merci Glory. Pour ta contribution. C'est gentil. Donc aujourd'hui, le freestyle, ce ne sera pas un freestyle comme d'habitude où je vous donne des mots un peu farfelus, comme vous avez pu le voir. Désolé aux anciens participants qui ont des mots bêtes un peu. J'avais perdu la première fois. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien partir sur un concept un peu différent. D'accord. Mettre un peu une ambiance, une atmosphère, je ne sais pas, je lance un contexte et puis on va dire Yoani a suivi. Glory, tu suis, Jonathan, tu suis, et toi, tu suis. OK? Admettons, je me réveille le matin, je mange du riz à 8h30. Yoani, qu'est-ce que tu dis? J'avais tellement mal au ventre que je suis allée aux toilettes. OK. J'aime bien. Glory,
gel de aux toilettes, j'ai pu écrire quelques chants parce que c'est de là que me vient plus d'inspiration. Mmh. Oh, j'aime bien. Jonathan, qu'est-ce que tu dis? Et ensuite, après les toilettes, après avoir écrit, je suis parti au studio directement. Mais quelle efficacité. Et toi? Au studio, c'est là que naissent les vrais chants qui bénissent le peuple de Dieu. C'est ça, t'es pasteur. C'est ça, t'es pasteur. Non, ok, bon, je vais juste demander à William de pouvoir jouer un petit peu en boucle, un peu vite fait, pour que vous vous acclimatez un peu ces jolis accords qu'il nous fait. Mmh. Okay. Donc voilà. On a le droit de prier en langue ou pas? Non, on peut pas en langue, c'est de la triche. Voilà. Non, parce qu'en langue tout passe. On n'utilise pas les super pouvoirs. On n'utilise pas les super pouvoirs. Ah, on n'utilise pas les super pouvoirs. De parler en langue, c'est un super pouvoir. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut mettre un peu le piano un peu plus fort, s'il vous plaît, dans la salle, juste qu'on puisse entendre un peu ces jolies mélodies, ces accords magnifiques de William? Qu'on m'a cassé ma main. Est-ce qu'on peut passer au jeu? Tu veux passer au jeu? Oui. Ok. Ok. Vous avez bien entendu la mélodie, tout ça, ça passe. Ok. Est-ce qu'on peut juste un peu monter un peu plus William, s'il vous plaît? Là, je pense que c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci. J'aime bien sortir la musique, j'aime bien cette atmosphère mignonne. On est sur une atmosphère un peu R&B. Ah, tu chantes? Tu as dit rap chanteur. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, le monstre. J'aime bien, ça me fait penser un peu aux années 80, 90, tout ça. Donc, on va partir un peu dans les délires un peu des clips américains. Yoani, il pleut, t'es dehors, t'as plus de bus. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi. J'ai plus de bus. Alors, j'ai marché. Je suis tombée sur une amie. Elle était avec un ami. Son ami m'a regardé de travers. Pourtant, je ne lui ai rien fait. Ah la la, je veux me le faire. Évangile. Non, dans l'esprit. Non, c'est la question. Ok. Jonathan, fais-moi. J'ai voulu le faire, mais je me suis retenu. J'ai continué ma route. Oh, mais c'est le King. J'ai continué ma route et j'avais les claquettes, et les claquettes m'ont lâché en cours de route. Oh, Seigneur. Yes. Il se comme quand on malade. T'inquiète, c'est pas grave. C'est la vie, c'est la vie. Bien. Ok. J'aime bien cette atmosphère. J'aime bien un peu comment ça se passe. J'ai envie de corser un peu la chose. Je vais vous imposer deux mots. D'accord, ok. Et vous allez chacun suivre. Ok. Mais faut que les mots, ils apparaissent tout le temps. Ils apparaissent. Ok. Yoani, je donne deux mots. Tu dois trouver une concordance. Une coïncidence ou bien une coïncidence. Une concordance. Concordance. Avec ce mot-là. Jonathan aussi. Et Tijan Kim aussi. Ok. Une concordance de rythme. Donc pas besoin de suivre ce qu'il a dit avant. Non, pas besoin de suivre. Juste, voilà. Amour. Poulet. Ouf. Paix. C'est son délire. Ok, paix. Frites. D'accord. Amour, poulet, paix, frites. Grâce. Mélodie. Et paix, frites pour moi. Paix. Surnaturel. Plus pareil. Shit, trop fort. Ok. Amour, poulet. Ok. Paix, frites. Grâce, mélodie. Okay. Et Surnaturel. Plus pareil. Ok. C'est vrai. C'est bon. Tu peux tourner, tu peux donner un peu cette envie, cet amour. Ah, j'ai trouvé. T'as trouvé? Il y a de l'amour quand je m'assois au KFC pour manger un très bon poulet. Il y a quelques frites à mes côtés. Je mange et je ressens la paix. Quelle grâce de pouvoir manger. Oh, je chante cette mélodie parce que je peux manger. That's right. Oh, le King. Impossible de me détacher du surnaturel, car sans lui,
rien n'est jamais plus pareil. Ha ah, j'aime bien c'est corsé, ce là. Si, là. C'est corsé. J'aime bien ça là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Laissez-moi clôturer un peu ces moments merveilleux. Voilà, c'est un petit moment se trouve tranquille, les amis. Par une petite impro de chacun d'entre vous ici même présent. Ok. Vous suivez avec cette jolie mélodie. Ok. Voilà, Yoani, je te laisse commencer. Mon cœur est dans la joie parce que je suis avec vous. Mon cœur est dans la joie parce que je suis avec mes frères. Alors on se reverra peut-être demain. Peut-être après-demain, mais bon, de toute façon, on est tous loin du corps, mais près du cœur, vous savez, c'est l'esprit qui nous unit. Je suis également dans la joie d'être sur Evangile Hit Music. Je suis dans la joie, je vous remercie. King! Rien de rien. Oh, monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! Vous étiez sur Evangile Hit Music! Et on se retrouve pour la presse à les artistes et tout de suite, on est ensemble. Hello, c'est Yoani sur Evangeli Hit Music. J'apprends à laisser partir comme la vague qui se détache du sable. Je suis la graine qui s'accroche à son algue, la feuille est bien attachée à son arbre. J'apprends à laisser mourir les souvenirs qui me ramènent à lui, quand mes pieds me dirigent vers chez moi. Si tu regardes vers le ciel, aperçois les étoiles prenant la forme de mon visage. Veillant toujours sur toi, j'ai parlé à la mer. Il fallait qu'elle recrache, qu'elle ronde le bassin de tes larmes sur la rive de l'espoir. J'ai demandé à mon père que sa colère ne tombe pas sur toi, que le phare éclaire le courant, qu'il ramène ta barque au port, même si l'amour m'a fait des torts. Et je n'ai aucun remords. J'apprends à laisser fléchir mes genoux sur le sol pour prier, même quand je n'ai plus de voix pour parler, quand je n'ai plus d'angle pour me lamenter. J'apprends et j'arrête d'haïr, même si ce n'est pas moi que tu choisis d'aimer. J'arrête de souffrir, de me comparer. Je ne sens qu'un amour pur et solitaire, sans attente, sans colère, sans fracas et sans dette. Je ne sens que l'amour, le vent qui vient de l'est, un souffle si doux, si frais. C'est en lui que j'espère. Si tu regardes vers le ciel, aperçois les étoiles prenant la forme de mon visage. Fuyant toujours sur toi, j'ai parlé à la mer. Il fallait qu'elle recrache, qu'elle rende le bassin de tes larmes sur la rive de l'espoir. Qu'elle rende le bassin de tes larmes. Qu'elle rende le bassin de tes larmes sur la rive de l'espoir, qu'elle rende le bassin de tes larmes. Bassin de tes larmes. Salut la famille, c'est Jonathan Even en exclusivité sur Evangeli Hit Music. On est ensemble, je vais vous chanter
interpréter mon titre, mon premier single, Je te fais confiance. Alors là où tu me regardes, tu peux le chanter avec moi si tu le connais. Et je t'invite à rentrer vraiment dans la profondeur de ce chant. Et je crois fortement qu'il te bénira. Amen. Au cœur de ta présence, j'abandonne tout. Mon cœur est lourd, mes larmes coulent. Malgré tous les obstacles, je ne cesse d'y croire. Ce n'est pas encore fini, tu te lèveras. Tu te lèveras. J'abandonne tout, mon cœur est lourd, mes larmes coulent. Malgré tous les obstacles, je ne cesse d'y croire. Ce n'est pas encore fini, il se lèvera. Tu opères, je te fais confiance, je te fais confiance. Et même si je ne vois pas, mon Dieu, tu agiras. Et je te fais confiance, je te fais confiance. Je m'accroche à tes promesses. Oui, je crois que tu opères. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Et même si je ne vois pas, mon Dieu, tu agiras. Je te fais confiance. Je te fais confiance. J'aimerais que tu puisses le chanter là où tu es, que tu puisses t'accrocher au Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-toi totalement entre les mains du Seigneur. Que tu puisses totalement lâcher prise et que tu puisses laisser le Seigneur prendre et réellement prendre le contrôle de ta vie. J'aimerais qu'on puisse rechanter le refrain une dernière fois et qu'on puisse le chanter vraiment de tout cœur. On y va ensemble. Je m'accroche à tes promesses, oui je crois que tu opères. Je te fais confiance, je te fais confiance. Et même si je ne vois pas, mon Dieu, tu agiras. Je te fais confiance, je te fais confiance. Alors, guide-moi, conduis-moi, prends le contrôle, je te fais confiance. Guide-moi, conduis-moi, prends le contrôle, je te fais confiance. Guide-moi, conduis-moi.
je crois que tu opères, je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Et même si je ne vois pas, mon Dieu, tu agiras. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'était Jonathan Evans sur Evangelii Hit Music. On est ensemble.